Bonjour à vous, c'est Popo84, on se retrouve aujourd'hui pour À l'affiche. À l'affiche, c'est quoi? À l'affiche, c'est l'émission qui va vous présenter de nouveaux petits youtubeurs. Aujourd'hui, je reçois Link. Salut Link! Enchanté. Ouais. Alors Bon. aujourd'hui, je te reçois pour cette nouvelle émission de À l'affiche. Et ma première question, c'est quel est le thème de ta chaîne? Le thème de Le thème ma de ma chaîne, chaîne, c'est c'est ouais, beaucoup de gaming, surtout sur sur les les jeux manga manga ou les jeux gacha. gacha. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le gacha pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, c'est Fait, c'est un un jeu. jeu. Pas Pas comment expliquer, compliqué. enfin, Enfin, faut mettre mettre de de l'argent l'argent dans dans le le jeu. jeu. Alors, c'est l'inverse du Voilà, free faut to play, dépenser. c'est ça? C'est du Voilà. pay to win dans ce cas-là. Est-ce que ça résume un Voilà. peu ce que tu veux, ce que tu voulais dire, hein? Oui, c'est Oui, c'est ça. ça. Ok. Link, maintenant, je passe à une nouvelle petite question. Qui es-tu? Présente-toi un petit peu. Moi, je Moi, je suis suis un garçon garçon de la qui vient de la Réunion. Réunion. D'accord. J'ai 12 12 ans. ans. Oui. J'habite à J'habite à Saint-Louis. Saint-Louis. D'accord, donc tu es un tout jeune youtubeur alors. Moi, je Moi, je suis suis un un petit petit youtubeur. youtubeur. Il y en a qui a Qui a débuté il y a pas débuté mal pas de mal temps de quand temps quand même. même. Ouais, D'accord. qui tente Qui des tente des trucs. trucs. Voilà, Voilà, des pas pas mal mal de de types de types de jeux. jeux. Ouais. Ouais. Ok. Ça se passe bien la Réunion, il fait beau? Ouais, Ouais, ça ça va. va. Ça va? Ok, bah tant mieux alors. Maintenant, tu peux comment me dire comment tu es arrivé sur YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi faire des vidéos sur YouTube? En fait, C'est c'est juste que juste un que de un mes de mes potes, potes il a il a commencé à commencé à faire faire du du YouTube. YouTube. Du coup, moi, Du coup, moi, ça m'a ça m'a donné donné envie. envie. Et Au au fur et fur à et à mesure, mesure, bah, ben, tous tous mes mes potes, ils potes ont ils ont fait fait comme comme moi. moi. Du Du coup, coup, on on a a fait fait un un petit petit CAC CAC et et on on trouve trouve ça ça amusant, amusant, on on s'entraide s'entraide et et tout. tout. D'accord, donc vous êtes un petit collectif. Donc Ouais. c'est ton pote qui t'a donné l'envie de faire du YouTube. Est-ce que c'est que ton Oui. pote ou il y a d'autres YouTubeurs qui t'ont donné envie peut-être? Oh, Oh, des des YouTubers YouTubers gaming. gaming. D'accord. Tu peux nous les citer un petit peu, dire ce que tu aimes? Mais moi, j'aime Moi, bien, j'aime ouais, bien, ouais, un des. Je je trouve le trouve le meilleur meilleur YouTubeur youtubeur réunionnais, réunionnais, c'est c'est Ross. Ross. D'accord, ben, moi je connais pas, donc ça me permettra aussi de connaître des nouvelles personnes. Vas-y. Ensuite, Ensuite, ouais, ouais, les les gens gens snap snap comme comme voilà, voilà, Kira, Kira, Cyril, tout Cyril, tout ça. ça. Cyril MP4, tu parles, c'est ça? Oui, Oui, Cyril Cyril MP4. MP4. Ok. Pas de souci. Maintenant, tu nous as parlé un peu de qui tu es, qu'est-ce qui t'a donné envie. Qu'est-ce que tu utilises comme setup pour faire tes vidéos? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent plein de choses différentes, donc dis-nous un peu ce que tu utilises, toi. Parfois, Parfois, j'ai j'ai fait des fait vidéos des sur mon vidéos sur mon téléphone, téléphone, sinon sur mon sur mon PC PC, fixe. fixe, D'accord. avec Avec un un bon bon setup, je setup, je pense, parce pense, que parce mes que mes vidéos, vidéos elles tournent tournent pas pas mal, mal. bien. Bien. D'accord. Et sur ton PC fixe, t'as un bon PC, tu me disais. Tu peux nous dire un petit peu les caractéristiques de ton PC ou pas du tout, ou tu les connais pas? Ben ouais, par Ouais, par exemple, exemple, les les gros gros jeux, jeux, je je peux peux les trouver trouver en en 1080p, 1080p, tout tout ça. ça. D'accord, oui, t'as quand même une bonne carte graphique, tout ça donc. Oui. Pour au niveau du montage et au niveau de tes miniatures, quel logiciel utilises-tu? C'est un Un logiciel logiciel gratuit, gratuit, WonderShark WonderShark Filmora Filmora 9. 9. D'accord, sur Filmora, tu es. Ça, tu l'as trouvé gratuitement sur Internet, il n'y a pas de souci, ça se trouve facilement donc. Ouais. Ok. Je me disais, comme tu es à La Réunion, au niveau de la connexion Internet, c'est quoi là-bas? Parce que nous, en tant que youtubeurs, des fois, bah, ça nous permet de poster et d'uploader nos vidéos plus rapidement, de pouvoir jouer en live ou des trucs comme ça. Et puisqu'on peut avoir la fibre, nous, ici en France métropolitaine, est-ce que toi, à La Réunion, tu as aussi la fibre? Ou par rapport à... Toi, tu es à Ben oui. Saint-Denis, donc c'est une grande ville, donc oui, tu as plus facilement la fibre, je pense. Non, je suis Je à suis à Saint-Louis. Saint-Louis. Saint-Louis, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu Ben oui, as... c'est des rares personnes qui personne qui a a la la bonne bonne croix à croix à Saint-Louis, j'ai Saint-Louis, j'ai l'impression. l'impression. D'accord. Tant que tu as de la chance, alors. Ouais. D'accord, donc tu as une bonne connexion, tu mets pas trop de temps pour uploader tes vidéos, tout ça, quoi. Ouais. Bon, le Le maximum maximum, c'est c'est une heure une et heure et demie. demie.
Pour uploader? L'upload. Ah oui, Ouais. ça fait quand même beaucoup. Moi, Oui. je sais que en tant que je suis moi sur la région PACA, je mets on va dire 5 minutes à uploader une vidéo, donc c'est Ah pas. ouais? Oui, avec la fibre, ça passe très rapidement, moi. Donc tu vois, il y a quand même des différences. Même si tu penses aller rapidement 1 heure et demie, ça change entre la France métropolitaine et l'île de la Réunion. Ah ouais. Donc, ok, alors on va passer à une autre petite question. Comment tu vois ta chaîne YouTube avec ton nombre d'abonnés, tout ça, tes vidéos? Qu'est-ce que tu peux en penser de ta chaîne YouTube? Bon, je pense que c'est bien. Ouais, j'ai quelques commentaires de grands youtubeurs, du coup ça me fait un peu plaisir. Ah, ça c'est bien ça. T'as eu qui Ouais. comme youtubeur? Mais par exemple, sur ma vidéo d'Evelyn, j'ai un commentaire d'un youtubeur. Il a beaucoup d'abonnés et c'est un anglais. D'accord, bah c'est bien ça. C'est bien, t'arrives à faire voir tes vidéos autre que de la réunion, c'est vraiment sympathique ça. Ouais. Au niveau de ton nombre d'abonnés, donc tu peux nous le dire ou pas? Ouais, j'en ai, je crois, 18, 19. Donc oui, au niveau de ta page, moi je vois 18. Ta page YouTube, c'est ZenKayTB. Donc ZenKay espace YTB. De toute façon, le lien de sa chaîne sera dans la description si vous voulez regarder. Ouais. Donc moi je vois 18 abonnés. Je vois au niveau de tes vidéos, tu en postes approximativement 4 à 5 par mois. Ouais. D'après ce que je vois à peu près. Donc tu es quand même actif, beaucoup plus que moi à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un rythme que tu t'es imposé au niveau de ces vidéos ou pas? Ben oui, j'en fais quand j'ai le temps et D'accord. quand j'ai envie de faire. D'accord. Donc c'est quelque chose qui te plaît. Dès que tu as du temps, ben, tu passes directement sur YouTube en faire quoi. Oui. Je me permets quelque chose. Je vois que sur ta dernière miniature, donc ta vocation de DB Légende, tu as vraiment une jolie miniature comparée à des extraits que tu avais avant. Tu as peut-être pris une image déjà ou c'est toi qui l'as fait sur Photoshop? Ben, en fait, j'ai tapé voilà, sur Google et j'ai trouvé ça. D'accord. En tout cas, elle est vraiment jolie comme miniature. J'aime beaucoup, tu vois. À voir par la suite parce que ça donne envie de cliquer plus sur ta vidéo que peut-être les autres miniatures, tu vois, elles attirent un peu plus l'œil. Allez voir sa chaîne et dites-moi en commentaire hein, si la miniature de DB Légende vous incite plus à cliquer que d'autres peut-être. On va passer sur un autre sujet, toujours sur YouTube bien sûr. Au niveau des lives, est-ce que tu en fais toi à la Réunion des lives ou pas du tout? Ben non, je Non, je pense pense pas en pas en faire. faire. En tout En tout cas pour cas pour l'instant. l'instant. D'accord. Et pourquoi? Parce Parce que t'as pas envie ou que pas le manque de temps? le problème c'est que je peux pas parler sur PC. Il y a un bug. D'accord, t'as un souci au niveau setup. Ok. Ouais. On va parler au niveau de ta chaîne. Quelle est maintenant ta plus grosse satisfaction de ta chaîne à l'heure actuelle? Mais Mais c'est la c'est la vidéo vidéo qui a fait qui a le fait le plus plus nombre nombre de de vues. vues. Et c'est laquelle? Crois que Crois c'est que c'est Cadence Cadence of of Hyrule, Hyrule, le le premier. premier. D'accord. Elle a fait combien de vues celle-ci? Je crois Crois 54. 54. D'accord. Donc par rapport à aux 18 abonnés, donc t'as vu plus de personnes ont vu ta vidéo que le nombre de t'abonnés, ce qui est très bien déjà. Ouais. Et maintenant, on a parlé de la plus grosse satisfaction. Maintenant, quelle est ta plus grosse déception? Est-ce qu'il y a quelque chose sur ta chaîne YouTube où bah, tu te dis, bah mince, j'y ai passé du temps et en fin de compte, bah, ça n'a pas marché autant que je souhaitais? Ouais, mais c'est Ouais, la c'est la suite suite du du Let's Let's Play Play sur sur Céleste. Céleste. Ouais, plus Plus j'ai j'ai fait fait de de vidéos, vidéos, plus plus les les vues, vues, ça ça descendait. descendait. D'accord. T'as pas su garder le public sur Céleste, quoi. Sur les ST. Et ça t'a embêté parce que tu as passé du temps à jouer alors que et à filmer et à monter alors que ça n'a pas eu l'engouement qu'il y a eu au début. Ouais. C'est justement Justement pour ça pour que ça j'ai que j'ai arrêté Let's arrêté Let's Play. Play. D'accord. C'est dommage, peut-être trouver un nouveau jeu en let's play qui peut plaire aux gens. Ok.
Merci. Donc tu me disais tout à l'heure que tu étais un petit collectif. Vous êtes combien dans ce petit collectif de youtubeurs réunionnais? Alors, il y a déjà moi, mon pote. Je crois qu'on est quatre. 4. Oh, c'est déjà un bon petit collectif. Est-ce que vous êtes donné un petit surnom comme collectif ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Alors, Zenkai, je vais te poser la question, pourquoi ce pseudo? Et si tu peux me répondre, parce que bon, les pseudos ont une grande importance sur YouTube, et pourquoi avoir choisi Zenkai? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a une signification? Ben, je fais ça parce que je trouve que ça fait un peu manga et j'aime bien les D'accord. mangas. Donc ça te plaît tout l'univers manga, tout ce qui est japonais, on va dire, c'est ça? Oui. As-tu déjà eu l'occasion d'aller au Japon? Non. Non, peut-être un jour alors, je te le souhaite. Merci. Bah, je te remercie déjà, Zenkai. Je vais juste te demander, est-ce que tu as d'autres chaînes YouTube ou est-ce que tu as une chaîne Twitch? Où on peut te voir sur d'autres Non. trucs ou pas, non? Je Est-ce que tu apparais vais sur les peut-être vidéos une de... chaîne Twitch. T'as une chaîne Twitch bientôt peut-être qui arrive en Oui, je vais préparation? bientôt te faire. Ouais. D'accord, donc tu vas quand même te mettre sur les lives sur Twitch alors. Oui. D'accord, t'attends juste de régulariser ce petit problème sur ton setup et après go sur Twitch. Ouais. Est-ce que tu as un Insta ou un Twitter à faire follow ou tout ça? Non, j'ai pas de ça. Non, t'as pas. Ben, ça sera pas dans la description. Mais une fois que t'as ton Twitch, tu me le donnes et on le mettra dans la description de la vidéo. Ça sera avec grand plaisir. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, quelque chose comme ça ou pas? Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon, ben c'est nickel. Ben, moi, je vais juste rajouter quelque chose. En tout cas, merci Zenkai de m'accorder cette confiance. Parce que ben, c'est une toute nouvelle émission. J'espère que ça pourra plaire aux gens. J'espère que ça fera découvrir des nouveaux youtubeurs aussi, parce que ben, YouTube nous cantonne à nos recommandations et nous permet pas de découvrir beaucoup de nouveaux youtubeurs. Bon, moi, c'est ce que je veux mettre en avant sur ces vidéos-là de à l'affiche. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup et à bientôt pour une nouvelle émission de à l'affiche. Ciao, ciao.